Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas très long. Dans ce cas, si c'est le cas inverse, je vous propose une petite activité aujourd'hui à faire avec les enfants. Alors aujourd'hui, je vous propose un robot avec du matériel de récupération. Donc pour cela, il vous faut un carton, quelques bouchons de bouteilles vides, une bouteille vide, un bouchon de bidon de lessive, deux petits yeux mobiles, un peu de laine, une boîte à œufs, des rouleaux de papier toilette, voire même aussi en plus un rouleau de papier essuie-tout, puis une boîte à œufs et de l'aluminium. Voilà. Alors pour commencer, vous allez d'abord peindre un grand carton. Donc vous pouvez le peindre de la couleur dont vous voulez. Voilà. Ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris. Alors on a peint aussi la boîte à œufs, voilà, qui va nous servir de roue, qu'on collera ensuite au pistolet à colle pour que ça tienne mieux. Voilà, je vous montre l'autre côté aussi. Ensuite, on a collé des boutons qu'on a agrémentés de strass. On a collé, enfin, on a d'abord peint et ensuite collé le rouleau d'essuie-tout. On a collé des petites lettres. Voilà. On a collé des petits strass. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou non. Ensuite, des petites formes. Voilà, donc là, on a mis des triangles. On n'a pas fini. Enfin, il y en a une qui est partie, dommage. Ensuite, j'ai fait un trou de chaque côté du robot pour faire les bras. Donc, on y a mis le fond de la bouteille, enfin la bouteille Lactel, par exemple, que j'ai coupé en deux, qu'on a encastré de chaque côté du carton pour faire les bras. On a recouvert de papier d'aluminium. Ensuite, on a collé des rouleaux de papier toilette. Voilà. On a peint, on a mis en peinture, évidemment, bien avant. On a mis un petit ruban, voilà, pour faire un petit bracelet sympa. On a ensuite fait une petite main, une autre aussi. Voilà. Pour le cou, on a pris une bouteille en plastique qu'on s'amuse à rétracter, voilà, pour faire un cou amovible. On a pris la boîte d'œufs pour faire le visage. Donc là, nous, on n'a pas mis en peinture, on l'a laissé à l'état brut. Pour le nez, alors pareil, on a collé. Alors d'abord, on a recouvert de papier d'aluminium le petit bouchon qui sert de nez, que j'ai collé ensuite. Pistolet à colle toujours, les petits yeux mobiles, et puis pour les cheveux, on a fini avec de la laine. Et voilà, on a un nouvel ami à la maison, le robot. Voilà. Alors bonne activité à tous et merci de renvoyer un petit retour. Voilà, de nous montrer aussi vos robots chez vous. Voilà, à bientôt.